Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est là encore pour les cours de mathématiques niveau terminal D ou encore terminal scientifique. Les années précédentes, nous avons fait les cours. OK? Et j'espère que vous avez appris quelque chose. Le cours. Si les 2 années précédentes, on a essayé de faire en donnant beaucoup de détails. Donc, à partir de maintenant, nous allons nous focaliser surtout sur les exercices. Des exercices venant de moi, que moi je vais proposer, puis on va corriger. Et des exercices que vous aussi, vous allez m'envoyer. Et on peut corriger ensemble. Okay. Donc, quel qu'en soit le pays où vous êtes, parmi les pays qui sont colorés en bleu ici, bleu foncé ou bleu clair, vous pouvez participer et puis vous pouvez apprendre quelque chose. Donc, je parle ici du Bénin, du Burkina Faso, Burundi, Cameroun. Comment? Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, c'est-à-dire Guinée-Conakry, Guinée équatoriale, Madagascar, Mali, Niger, Centrafrique, RDC, République du Congo, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo, Rwanda, et aussi le pays du Maghreb et autres. Algérie, Maroc, Maurice, Mauritanie et Tunisie. Donc, tous ces pays-là sont concernés. Il faut envoyer vos exercices et voici les contacts par email, vous pouvez envoyer. Aussi, je souvent juste commentaire, ainsi la chaîne YouTube et voici un WhatsApp. Donc, ce WhatsApp changer à tout moment, mais l'adresse email là est quasi permanente et la chaîne YouTube aussi. D'accord? Donc, il faut revoir les cours qu'on a fait depuis l'année passée. Ça y est, c'est bien organisé sur la chaîne YouTube. Donc, voici la chaîne YouTube, l'adresse de la chaîne YouTube. Il faut aller visionner ce cours-là parce que les exercices sont basés sur le cours. OK? Voilà. Donc, le programme de mathématiques, c'était ça qu'on avait vu, avec le nombre complexe en premier. Le problème est qu'il y a d'autres, dans d'autres écoles, les professeurs ne commencent pas avec le nombre complexe. Il y a d'autres qui commencent avec la probabilité, d'autres commencent avec les suites numériques, d'autres commencent avec les fonctions, et c'est pas chose. Donc ici, voici le programme que nous avons proposé. Et ce programme-là a été détaillé de long en large dans les cours de l'année passée. Il faut juste aller voir sur, et comment dire, la chaîne YouTube. Tout est là-bas en détail. Vous allez voir, c'est écrit cours mathématiques niveau 3e, année 2023-2024. C'est là-bas. Donc, pour cette année-là. Donc, on commence aussi ici avec les nombres complexes d'abord. OK? Donc, on va faire cette fois-ci, cette vidéo-là, c'est juste l'introduction. On va faire juste un petit exercice. Et le premier exercice, voici l'exercice en question. Donc, on va parler de formes algébriques des nombres complexes. Formes algébriques. Donc, voici ce qu'on nous donne ici. On nous donne des nombres complexes. Z et puis Z prime. Z égale à 2 plus 3i. Z prime égale à 5 moins i. Et on nous demande d'écrire sous la forme algébrique les nombres complexes suivants. Voici Z fois Z prime au carré. Z prime sur Z. Z sur Z prime. Z
moins 1 sur z plus moins 4i. Z bar multiplié par z prime bar. Z bar moins 1 sur z prime plus 1. Donc voici ce qu'on va essayer de faire juste pour la première vidéo, juste comme introduction. D'accord? C'est vrai qu'on a commencé ici avec le nombre complexe, mais si vous, votre professeur en classe a commencé par un autre chapitre et que vous avez des difficultés dans des exercices, c'est pas grave, vous pouvez toujours envoyer ces exercices-là, on va essayer de traiter ensemble. Okay? Donc, sans plus tarder, on va commencer notre exercice. Donc, je remets l'exercice juste à côté ici. La première question, donc on va aller. J'espère que vous connaissez, si vous avez bien suivi le cours, la forme algébrique. C'est simple, hein? C'est A plus BI. Voilà, c'est... On a la partie réelle par partie imaginaire à part. Donc, on va commencer par calculer, peut-être pour faire plus simple. Vous allez voir, je vais donner tellement de détails et je pars très lentement. Si vous comprenez, souvent c'est ennuyeux. Mais on fait ça pour permettre à ceux qui sont très lents, ceux qui comprennent pas très vite, d'avancer, de progresser avec nous. OK? Voilà. Donc, Z prime au carré. Donc, on va calculer ça d'abord. Z prime est là, hein? Donc, si on veut faire Z prime au carré, donc ça sera 5 moins i, et 5 moins i, le tout au carré. Donc, ça va me donner 5 moins i, facteur de 5 moins i. Normalement, ça, c'est une identité remarquable. Donc, comme j'ai dit, je vais aller avec tellement de détails que souvent, ça va être, pour les gens qui comprennent, ça va être tellement lent. Mais pour les gens qui sont pas trop, qui comprennent pas rapidement, je pense que ça sera bon. Normalement, ça, c'est une identité remarquable. Les élèves de la troisième, ceux qui ont fait la troisième, peuvent faire ça directement, s'ils comprennent que i au carré égale à moins 1. Voilà. Mais, on va faire ça avec des parenthèses comme ça pour que ça aille doucement, doucement. Normalement, vous pouvez faire ça directement pour quelqu'un qui comprend vite. Donc, j'ai pu faire des parenthèses comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc, 5 fois 5, ça fait 25. Donc, 5 fois moins i. Et encore moins i fois 5. Donc, ça va faire, c'est ça qui fait le moins 10i. Maintenant, moins i fois moins i, ça fait plus i au carré. Parce que moins fois moins, ça fait plus. D'accord? Et là, on a 25 ici. Maintenant, les i au carré, là, est égal à moins 1. Ça, c'est la base, c'est la première des choses qu'on vous a montré. I au carré égale à moins 1. D'accord? Donc, c'est juste celui-là qu'on a remplacé par moins 1. Donc, 25 moins 1, ça va faire 24. Donc, voici les z prime au carré, là. Okay? Z prime au carré, ça va nous donner 24 moins 10i. Maintenant, on va multiplier z par les z prime carré. Z prime carré, on l'a déjà, c'est là. Donc, on va prendre juste ce z là, multiplier par ça. Donc, ça arrive à faire comme un développement encore. D'accord? Donc, voici les z. Vous voyez, c'est la même chose. On multiplie par les z carré qu'on vient de trouver. Donc, j'espère que ça, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Il faut encore développer. Voilà, comme ce qu'on vient de faire. Et si vous faites bien le calcul, vous allez trouver ça. 78 plus 52i. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine, même ceux qui sont là. Si vous faites, donc 2 fois 24, et plus 2 fois moins 10i, plus 3i fois 24, encore 3i fois moins 10i. Donc, comme si on vous apprend, vous venez d'apprendre comment faire le développement en troisième. OK? Donc, c'est ça qu'on a fait ici. Après, maintenant, vous rassemblez tous les nombres qui n'ont pas de i à part, ceux qui ont i à part, et ceux qui ont i au carré à part. Donc, vous voyez ici, ça, les 24 fois 2, là, ça fait 48. On est d'accord? Donc, c'est ça qui nous donne 48. Et moins 10 fois 2. Moins 10i fois 2, c'est ça qui fait moins 20i.
Les 3, 3i fois 24, c'est ça qui nous fait donc les 72i. Maintenant, les 3i fois moins 10i, c'est ça qui nous fait moins 30i au carré. Voilà. Et 48, ça reste comme ça. On va essayer de rassembler les i, moins 20i et les 72i. Okay? C'est comme si c'était des x. Si on vous dit moins 20x plus 72x. Vous allez faire l'addition de ces deux-là et puis garder les i. Donc 72 moins 20, c'est ça qui fait les 52i. Maintenant, i au carré, ça fait moins 1. I au carré, ça fait moins 1. Donc, ici là, c'est comme si c'était moins 30 fois moins 1. Moins 30 fois moins 1, ça fait plus 30. Donc, on va faire les 48 plus les 30, c'est ça qui fait 78 et les 52i. D'accord? Donc, nous pouvons dire que la forme algébrique de z fois z prime carré est égale à ça. 78 plus 52i. C'est vraiment des trucs simples pour le moment. On va aller doucement, doucement. Deuxième, on va maintenant faire z prime sur z. Donc, z prime sur z là. Quand vous avez une fraction comme ça, on vous demande de calculer. Sans réfléchir, il faut tout de suite multiplier par le conjugué du dénominateur. Donc, bon, on pose d'abord z prime sur z. Z prime, c'est ce qui est là, hein? 5 moins 2i, ok? Sur z, ça fait 2 plus 3i, ok? Maintenant, nous allons multiplier et le numérateur et le dénominateur par le complexe conjugué du dénominateur. Vous voyez, complexe conjugué, c'est les signes qui au milieu là seulement qui changent. Donc, le dénominateur, c'est 2 plus 3i, c'est ça? Donc, nous, le complexe conjugué du dénominateur là, ça va faire moins, ça va faire moins ici. Donc, ça va faire 2 moins 3i. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par les complexes conjugués du dénominateur. Attention. Le complexe conjugué du dénominateur, c'est pas complexe conjugué du numérateur. Donc, c'est pour faciliter tout ce qui est au dénominateur, là, pour que ça puisse partir facilement. Vous allez voir que ça va simplifier les choses au niveau du dénominateur. Par contre, au niveau du numérateur, ça donne quand même un peu du boulot. Donc, on aura comme ça au niveau du numérateur et on aura là au niveau du dénominateur. On va s'attaquer maintenant au dénominateur. Le dénominateur, là, c'est ça, non? On va développer ça. Là aussi, c'est une identité remarquable. C'est comme A plus B facteur de A moins B. On peut faire ça directement pour ceux qui comprennent. Ça fait A carré moins B carré. Mais comme je dis, voilà, souvent, on va essayer d'aller souvent développer. Très bien. Mais, essayez quand même de faire les A ici. Donc, ça va faire D au carré. D au carré moins les 3i au carré. Donc, c'est comme identité remarquable A plus B facteur de A moins B. Votre A ici, c'est le 2. Et votre B, c'est 3i. C'est tout ça là qui est le B. Donc, j'ai fait le D au carré moins le 3i au carré. D au carré, ça fait 4. 3i au carré, comme le i carré, ça fait moins 1. Donc, c'est comme si c'était 3 fois moins 1. 3 au carré fois moins 1. Est-ce que vous comprenez? Parce que le carré va affecter le 3 et ça va affecter les i. Mais le 3 au carré, ça fait 9. Et le i au carré, ça fait moins 1. Donc c'est comme si c'était 9 fois moins 1. C'est ça qui fait moins 9 ici dans la parenthèse. Alors que ce moins qui est là, c'est le même moins qui est là. Donc finalement, vous allez avoir 4 plus 9, parce que moins, moins, ça fait plus. Que 4 plus 9, donc ça fait 13. Donc vous voyez que en multipliant par les complexes conjugués du dénominateur, nous obtenons un dénominateur qui est juste un nombre réel, pas un nombre complexe. Pour simplifier tout. Maintenant, on doit repartir au niveau du numérateur. Parce que là, ça va un peu
faire chose, ça sera pas simple. Il faut multiplier. Voilà. Développer ça. Donc, 5 fois D, okay, plus 5 fois moins 3 I. Ou bien, si vous voulez, ça va faire moins ici. Puis, vous faites 5 fois 3 I. C'est la même chose. OK. Moins I fois D. Moins I fois moins 3 I. OK. Donc, on aura là 5 fois D, ça fait 10. Là, on aura moins 15. Là, on aura moins DI. Et ici, comme il y a I ici et puis I ici, ça va faire I au carré. Voilà. Faut pas oublier que I au carré, ça fait moins 1. Donc, les deux moins là vont partir déjà. Parce que moins fois moins, ça fait plus. Donc, on aura plus 3i au carré. Donc, et 15i, moins 15i, moins 2i, ça fait moins 17i. Donc, ça fait 10 moins 17i. OK? 3 maintenant. Le i au carré, ça fait moins 1. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici, entre parenthèses, moins 1. Donc, on obtient 10 moins 17i moins 3. C'est très détaillé que souvent. 10 moins 3, on aura donc 7 moins 17i. C'est les 10 moins 3 là qui donnent les 7. Voilà. Donc, la fraction là, ça c'est le numérateur, c'est le numérateur qui est là. Le dénominateur, vous rappelez que c'était 13. Donc, on aura les 7 moins 17i là, sur 13. Okay, donc, on peut scinder pour avoir, parce qu'on nous a dit la forme algébrique. Donc, il faut avoir la partie réelle à part et la partie imaginaire à part, de façon séparée. Okay, donc, on a 7, c'est 13, partie réelle, et puis la partie imaginaire, donc, qui est là, 17, c'est 13, avec le moins qui est là. Donc, c'est ça qui est notre solution. Voici la forme algébrique. Donc, j'espère que si vous avez ce genre d'exercice, ce genre de choses, sera très, très facile, très rapide pour vous. On continue, hein? Là, c'est la même chose, c'est seulement l'inverse de Z prime, Z sur Z prime. Vous voyez, c'est juste l'inverse de ça. D'ailleurs, même vous pouvez utiliser l'autre pour le faire. Donc, on va aller la même chose. Je ne vais pas vraiment perdre le temps ici parce que c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Ouais. Donc, vous utilisez toujours les dénominateurs là, sont complexes conjugués. Donc, ça fait 5 plus i, complexe conjugué du dénominateur. OK? Complexe conjugué du dénominateur, vous multipliez en haut comme en bas. Et ça fait la même chose. On fait le dénominateur avec une identité remarquable, ça donne 26. Pas besoin d'expliquer ça encore. On part au niveau du dénominateur, au numérateur maintenant. Ce qui est là, là, on développe. Et voici ce que ça nous donne. Voilà, 17, ça fait 7 plus 17i. OK? Donc, on remet ça comme ça. Et voici ce que ça nous donne. Et le complexe, la forme. Faut pas oublier de scinder en deux comme ça. Parce que nous voulons la partie réel à part et la partie imaginaire à part. Donc, 7 sur 26 plus 17 sur 26 i. Voici ce qu'on a. Donc, ici, allons-y avec ça maintenant. Donc, on va faire z moins 1 à part d'abord et puis faire z plus moins 4i à part aussi, et puis venir faire maintenant, et ça va nous ramener exactement à ce qui est là. OK? Donc, Z moins 1, ça c'est le numérateur. Z plus moins 4i, ça c'est le dénominateur. Donc, pour le numérateur, le Z est là, hein, ça fait 2 plus 3i. Donc, on fait moins 1 de ça. Vous voyez? 2 plus 3i moins 1. Donc, ça sera juste le D là moins 1. Ça fait 1 plus 3i. D'accord? Après, on fait z prime moins 4i. Le z prime est là, hein, ça fait 5 moins i. Donc, 5 moins i là, moins 4i. Voilà.
moins 4, il est là. Donc, on va additionner les parties imaginaires, là, tout ce qui est i ensemble. On additionne ce qui est i ensemble. Donc, ça va faire 5 moins 5i. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on a au numérateur et ça qu'on a au dénominateur. Ça revient à ce qu'on vient de voir là, les fractions là. Il faut multiplier toujours par les complexes conjugués du dénominateur. OK? Donc, voici ce qu'on a au numérateur. C'est ce qui est là, là. Z moins 1i. Z moins 1, pardon. Et au dénominateur, c'est Z plus Z moins 4i. Et on avait calculé ça, c'était là. Donc, on multiplie avec le complexe conjugué du dénominateur et en haut comme en bas. OK? Moins ici, ça devient plus. Donc, voici ce que nous aurons. On va voir ça. OK? Donc, ça revient à la même chose que ce qu'on a fait. Le dénominateur avec une identité remarquable. Remarquable, ça fait a carré moins b carré. Donc, ça fait 5 au carré moins ça là au carré. OK? Donc, ça va nous donner 50. Le numérateur maintenant qui va nous fatiguer un peu. Donc, c'est la même chose. Vous faites le développement, vous multipliez, et puis vous rassemblez tout ce qui a i à part et tout ce qui n'a pas i à part. Voici ce qu'on a comme numérateur. OK? Vous pouvez suivre ça. C'est simple. Là maintenant, on va mettre les numérateurs et puis dénominateurs sous forme de fraction. Donc, on aura ça sur ça et vous scindez ça en deux. Donc, la partie réelle d'abord, moins 10 sur 50, plus 20 sur 50. Là, on peut simplifier. Je mets de simplifier. Vous voyez que vous pouvez diviser par 10 en haut comme en bas. Là aussi, pareil. OK? Moins 1 sur 5 plus d cinquième i. Voici donc la partie et la forme algébrique des cellules. On passe au deuxième et je vais dire l'avant-dernier. Z bar multiplié par Z prime bar. Non, il n'y a pas grand-chose ici. C'est juste, il faut savoir ce qui veut dire bar et puis vous faites tous les développements. Z égale à 2 plus 3i. Donc Z bar, c'est le signe du milieu seulement, on change. C'est le complexe conjugué. Donc Z bar, ça va faire 2 moins 3i. Ou bien, tout simplement. OK? Z prime est là, 5 moins i. Donc Z prime bar, ça va faire 5 plus i. On change le signe du milieu seulement. Donc, si on veut maintenant multiplier les deux, z bar multiplié par z prime bar, donc voici ce que ça nous donne. 2 moins 3i, 5 plus i. Et vous faites le développement. Donc ça, vraiment, c'est pas compliqué. Donc, on obtient le résultat final. 13 moins 13i. Faites le développement ici. Quand vous êtes en terminale, je me dis que vous comprenez. Pas besoin d'expliquer ça encore. Voilà. 2 fois 5, 2 fois i, moins 3i fois 5, moins 3i fois i. OK? La priorité à la multiplication que vous faites. 2 fois 5, c'est ça qui fait 10. 2 fois i, ça fait 2i. Moins 3i fois 5, c'est ça qui fait moins 15i. OK? Moins 3i fois i, c'est ça qui fait moins 3i au carré. Comme i au carré, ça fait moins 1. C'est pour ça ici, on a moins 1 entre parenthèses. D'accord? Voilà. On passe au dernier maintenant. Z bar moins 1 sur z prime plus 1. Donc, on va voir le numérateur là, c'est quoi ça donne en faisant z bar moins 1. Et puis, le dénominateur là aussi, qu'est-ce que ça donne? Donc, si on prend au niveau du numérateur, z bar moins 1. Il faut d'abord, on avait déjà fait z bar, si vous vous rappelez. Mais si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave, parce que z est là. Z, ça fait 2 plus 3i. Donc z bar, ça va faire 2 moins 3i. Ou bien, 2 moins 3i. C'est ça qui est z bar. Ben, c'est ça, on fait moins 1. C'est ça, on fait moins 1. OK? Donc, ça va nous donner 1
si vous faites bien le calcul, 1 moins 3i. Maintenant, z prime plus 1, z prime est là, 5 moins i. Donc, on fait plus 1 à ça va faire 6 moins i. Et maintenant, on obtient cette fraction-là. Okay? Le numérateur, c'est ça, 1 moins 3i. Et le dénominateur, ça fait 6 moins i. Voilà. Donc, on obtient ça. Et comme d'habitude, on multiplie par le complexe conjugué du numérateur et du dénominateur. Voilà ce qu'on obtient. Donc, on part avec le dénominateur d'abord. Vous n'êtes pas obligé de toujours commencer avec le dénominateur. Hein. OK? Vous n'êtes pas obligé aussi de faire ça avec beaucoup d'étapes comme ça. J'ai fait ça pour permettre aux gens qui ne comprennent pas très vite de comprendre avec nous. Donc, 6 au carré moins i au carré. Donc, on aura 37. 6 au carré, ça fait 38. 36. I au carré, ça fait moins 1. Donc, moins moins 1, ça fait plus 1. Le numérateur maintenant. Donc, ça va faire ça. On développe ça. Voilà. Sorry. 1 fois 6. OK. 1 fois i. OK. Moins 3i fois 6. Moins 3i fois i. Voilà. Donc, 1 fois 6, ça fait 6. 1 fois i, ça fait i. Moins 3i fois 6. On multiplie les nombres là ensemble. 3 fois 6, ça fait 18, non? Donc, ça fait 18i. Moins 18i. Moins 3i fois i. Donc, ça fait moins 3i au carré. Donc, ici, on a i. Les 6 restent, hein? I moins 18i, ça fait moins 17i. Maintenant, moins 3i au carré. Le i au carré, ça fait moins 1. OK? I au carré, ça fait moins 1. Donc, c'est comme si on a moins 3 fois moins 1. Donc, le moins 3 fois moins 1, là, ça fait plus 3. Donc, c'est comme si on peut prendre les 6 et puis les 3 mettre ensemble. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, on a le numérateur qui fait 9 moins 17i. Donc, on peut avoir la fraction comme ça. OK? Le numérateur qu'on vient de faire ici et le dénominateur qu'on avait 37 ici. Voilà. Et vous séparez maintenant pour avoir la partie réelle ensemble. Parce que ça, c'est au même dénominateur. Là, vous séparez. Dénominateur commun. 9 sur 37 moins 17 sur 37i. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour ce premier exercice. C'est juste l'introduction. Voilà. Et pour vous donner un peu l'aperçu de ce qu'on va faire cette année. Donc, je vous invite à suivre le cours en classe et suivre le cours qui est donné en ligne sur la chaîne YouTube année 2023-2024. Et là, vous venez ici avec les exercices. Si vous avez des exercices, vous ne comprenez pas, il faut m'envoyer. Voici tous les contacts qui sont là. Donc, merci beaucoup et